Et le fiancé, maman? Il s'est désisté? Maman, réfléchis un peu, t'as déjà 70 ans. 69. Oui, c'est la semaine prochaine, c'est la même chose. Tu vas pas te mettre avec quelqu'un maintenant? Il va venir vivre ici? Ben ça, je sais pas. Écoute, maman, je ne veux pas de quelqu'un d'autre dans notre maison. Ma maison. Mais c'est notre maison aussi. Et si t'arrives quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec ce type? Il va s'incruster ici aussi? Eh oui, pourquoi pas? C'est lui qui va garder la maison. Non, mais la maison, il n'y a que ça à la bouche. Ben oui, mais il y a des gens mal intentionnés, maman. Et puis tu vas pas laisser ce monsieur profiter de ta situation financière. Oui, qu'est-ce que vous imaginez tous les deux? Je suis pas capable de trouver quelqu'un qui s'intéresse à moi. Hein? Rien qu'à moi. Jacques! Mais c'est pas possible! Oh. Mathilde, je suis désolée pour le retard. Oh. Tenez, c'est pour vous. Non, mais il fallait pas. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Oh, c'est pas vrai. Voilà, je vous présente Jacques. Jacques Lafontaine. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous, Jacques. Après vous, Mathilde. Je vais chercher un vase pour mettre ces six jolies fleurs. Très bien, merci. Du vin. Oui, volontiers. Merci. Santé. 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 Enfin, maman. Oui, enfin, chérie. Maman, je pense venir te voir demain après-midi pour boire un thé avec toi et parler un petit peu. Moi aussi, je m'arrangerai pour te voir. Ah, je crains que pour demain, ce ne soit pas possible. Nous avons quelque chose de prévu, Mathilde et moi. Ah. Bon, ben, de toute façon, on se parle cette semaine, hein? Au revoir, maman. Au revoir, monsieur. Au revoir. Content de vous avoir rencontré. Vraiment, je ne sais pas comment je me serais débrouillée avec les enfants si vous n'étiez pas venus. Merci pour cette soirée, Mathilde. À bientôt.